Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle petite vidéo où on est à Barcelone. Donc aujourd'hui on est là actuellement dans le quartier de Poblenou. Donc comme on peut le voir, c'est beaucoup d'immeubles très modernes puisque c'est le quartier neuf en gros de Barcelone. Et là on va aller faire un petit tour par Espagna. Donc on va remonter l'avenue qui est juste en bas d'un grand parc qui s'appelle Montjuïc, qui est un peu surélevé, où il y a un magnifique téléphérique qui nous amènera au bord de la mer. Je vous montrerai ça, ça sera magnifique. Mais bon, là je vais couper un petit peu parce que le trajet n'est pas intéressant, du métro et du tram. Allez, à toutes! Et voilà, descente dans le métro à Gloriès, du coup, vers Espagna, après 10 minutes de tram pour aller vers donc Montjuïc. La sortie du métro sur la place d'Espagne, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est assez immense. Et c'est une donc du coup des places les plus importantes d'Espagne. Et voilà, je vous fais un petit tour rapide du coup des lieux avant d'aller vers Montjuïc, du coup. Après, ça reste quand même un endroit très très joli hein, ici. C'est une place très très imposante. Je vous conseille hein, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour. Magnifique. Direction l'allée des fontaines que je voulais vous montrer parce que c'est vraiment un endroit qui est fabuleux ici. Alors je sais pas si elles vont fonctionner parce que moi la dernière fois que je suis passé ça marchait pas. Et là ça a pas l'air de marcher non plus. Donc c'est un endroit où il y a des super spectacles apparemment la nuit. Des spectacles lumineux sur les fontaines. Voilà, je vous montre un petit peu ça. Je vais vous faire quelques prises de vue du coup. Voilà, nous sommes actuellement à côté de la fontaine dont je parlais. Vous voyez cette énorme fontaine qui est juste derrière moi, qui donne du coup sur le palais qui est derrière. Seulement, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à montrer. Hein. Allez, passons à la suite. Nous sommes déjà presque en haut du coup et je vais essayer d'avoir un meilleur point de vue encore depuis en face du musée carrément. Musée où d'ailleurs je ne suis jamais encore entré. Il paraît que c'est très intéressant mais j'ai jamais le temps de le faire. Donc voilà. On se contentera des escaliers et de ce magnifique point de vue du coup sur la ville de Barcelone. Aussi c'est très 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 joli, par contre c'est assez sportif, donc si vous avez des difficultés ou que vous aimez tout simplement pas les efforts un peu costauds, je vous déconseille hein, parce que ça tire quand même sur le palpite hein.
dernièrement et c'est enfin arrivé en haut. Je vais pouvoir un petit peu souffler déjà. Et puis aussi vous faire voir un petit peu du coup cette incroyable vue d'ici. Environ 20-25 minutes voilà, à travers le parc. On arrive donc au funiculaire qui apparemment on peut le prendre avec les cycles, mais pour le moment on va voir. Arrivé en haut et donc on peut voir ici le fort. Voilà, voilà, un petit fort très sympathique où il se fait pas mal de petits événements sur le thème du Moyen-Âge, un petit peu comme à Carcassonne. Voilà. C'est une promenade sympathique en téléphérique. Et le voilà, le fameux téléphérique qui descend jusqu'à la mer.
Et donc voici le fameux hôtel W, un des plus beaux hôtels et un des plus chers aussi de Barcelone. Voici la poste, un bâtiment imposant et magnifique, n'est-ce pas? Voilà, petite pause du coup du dîner au bar des boutiques. On est dans un petit restaurant très 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 sympathique, je vous montre. Voilà, pour terminer, quelques petites images du coup du quartier où je suis de nuit. Et du coup, voilà, je vous laisse avec ces quelques petites prises de vue qui, j'espère, vous plairont.